La territoriale dite des originaires, une thérapie ou obstacle au développement local, tel était le thème d'une conférence débat qui s'organise le week-end. Celle-ci s'est tenue dans la salle de réunion de centre pastoral et a été organisée par le groupe de travail pour la décentralisation et les élections. Selon Bibiche Salomon, chargé de programme, la population doit faire un effort de bannir ce comportement qui ne favorise pas le développement. Propos recueillis par Félix Aboussa. Nous avons retenu que cette politique de la territoriale dite des originaires est contraire à la Constitution et que cela entraîne l'exclusion sociale, la discrimination liée sur le plan des origines ethniques et ça ne concourt pas à l'effectivité de la citoyenneté, à l'émergence de la refondation de l'état des droits, ça ne contribue pas. Raison pour laquelle il faudrait vraiment que les citoyens, citoyennes puissent considérer l'autre comme son frère, indépendamment de cette connotation ethnique qui met à mal l'état des droits en RDC. Ce qu'il faudrait déconstruire, ce que nous avons construit comme un principe que nous avons érigé à nous dire que la territoriale aux originaires, ça ne nous aide pas, nous-mêmes, ça ne nous respecte pas parce que ça bannit l'aspect de la méritocratie, ça bannit l'aspect des compétences. Les gens vont se baser sur des subjectivités au lieu d'être objectifs en termes de la personne. Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, qui est de mettre une personne. Personne ne juge pas parce qu'il est originaire.